Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite saison 5. Alors le premier défi est de réussir des éliminations en étant à bord d'un véhicule. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un véhicule pick-up. Ensuite, essayez de prendre de la hauteur et d'avoir un champ de vision sur les ennemis. Et de là, essayez de faire des éliminations en étant à bord d'un véhicule. Alors, ce défi est un défi à étapes. La première étape est de faire 3 éliminations pour débloquer 55 000 XP. Ensuite, la deuxième étape, c'est 6 éliminations, puis 9, puis 12, puis 15 éliminations. Quand vous aurez fait 15 éliminations à bord d'un véhicule, vous débloquerez plus ou moins 150 000 XP. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils d'assaut ou des pistolets mitrailleurs. Donc là, rien de plus simple, équipez-vous d'un fusil d'assaut ou d'un pistolet mitrailleur et faites 500 de dégâts pour débloquer 20 000 XP. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts avec des tirs dans la tête au pistolet ou au fusil sniper. Alors là, équipez-vous d'un pistolet ou d'un fusil sniper et essayez d'infliger des dégâts dans la tête de l'adversaire. Donc avec un fusil sniper, logiquement, vous ferez directement plus de 200 de dégâts. Donc vous validerez le défi parce qu'en fait, le défi, c'est d'infliger 200 de dégâts pour débloquer 20 000 XP. Le troisième défi est de détruire des toilettes. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi. Il y a une usine de toilettes et là, vous allez avoir full toilettes. Et il y a même 3 toilettes futuristes. Donc pour réaliser le défi, il faudra détruire 3 toilettes. Alors ce genre de toilette, il y en a vraiment même dans les maisons si jamais vous allez dans des salles de bain ou quoi, il y en aura. Cependant, c'est possible que ces toilettes ne fonctionnent pas. Donc si ces toilettes ne fonctionnent pas, j'ai un autre emplacement qui se trouve près de Cathy Corner. Et là, il y a 3 toilettes de chantier. Donc c'est possible que ces toilettes fonctionnent aussi. Donc si jamais ça ne fonctionne pas avec les toilettes normales, n'hésitez pas à rejoindre cet emplacement pour détruire les toilettes. Alors quand vous aurez terminé le défi, vous débloquerez 20 000 XP. Le quatrième défi est de fouiller des coffres à Craggy Cliff, à Holy Edge ou à Retiro. Donc rendez-vous soit à Craggy Cliff, Holy Edge ou Retiro. Et là, fouillez des coffres. Vous allez devoir fouiller 7 coffres pour débloquer 20 000 XP. Le cinquième défi est de réussir des éliminations avec des armes rares ou supérieures. Donc là, il faudra que vous trouviez des armes bleues, voire mauves, voire en or ou même exotiques. Ce qu'il vous faut, c'est obligatoirement une arme de niveau rare ou supérieur, donc voire bleue ou supérieure. Ensuite, quand vous avez une arme comme ça, bah, il faudra faire 3 éliminations pour débloquer 20 000 XP. Le sixième défi est de réussir des éliminations en étant à bord d'un véhicule. Donc ça, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. C'est la quête légendaire avec plusieurs étapes de défi. Donc là, pour ce défi, vous avez juste à réussir une seule élimination pour débloquer 20 000 XP. Et le septième et dernier défi est de fouiller des coffres de munitions à Salty Tower ou à Colossal Coliseum. Donc rendez-vous soit à Salty ou soit à Colossal et ensuite fouillez des boîtes de munitions pour débloquer 20 000 XP. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite saison 5. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.